forces armées de la République démocratique du Congo continuent à combattre l'ennemi à l'est. Sur le plan humanitaire, l'aide commence à arriver pour le déplacer. Le gouvernement militaire constant, le gouverneur militaire Constant Ndima était à Kanyaruchinya. Voilà tout pour le titre. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu ce mercredi 2 novembre 2022 à la Cité de l'Union africaine avec Mercedes Vera Martin, chef de la mission de FMI pour la RDC. Au menu des échanges, l'actualisation de la perspective économique de la RDC, les politiques monétaires, budgétaires, pour 2023 et l'implémentation des réponses structurelles pour renforcer la résilience de l'économie congolaise. Plus d'explications dans ce reportage de la presse présidentielle. En dépit du contexte international difficile, la République démocratique du Congo a réussi tout de même à bâtir une économie résiliente dont la croissance est estimée cette année à 6,1%. Ces efforts sont salués et reconnus par le Fonds monétaire international FMI, dont la chef d'émission pour la République démocratique du Congo a été reçue ce mercredi 2 novembre 2022 à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était en présence des ministres congolais du budget et des finances et de Madame le gouverneur de la Banque centrale du Congo. L'actualisation de la perspective économique de RDC, les politiques monétaires budgétaires pour 2023 et l'implémentation des réponses structurelles pour renforcer la résilience de l'économie congolaise sont les principaux points évoqués lors de ces échanges. Nous avons discuté les éléments de notre visite au niveau de l'actualisation de la perspective économique des pays, des politiques monétaires budgétaires en 2023 et aussi de l'implémentation des réformes structurelles pour augmenter la résilience de l'économie congolaise au niveau des chocs. Outre la résilience de l'économie congolaise pour résister aux chocs externes, le FMI appuie et soutient la RDC dans ses efforts pour la diversification de son économie. On a discuté aussi des défis importants basés sur la détérioration d'un contexte international plus difficile, et aussi l'escalation des conflits armés à l'est des pays. Nous avons réfléchi sur les efforts des autorités pour diversifier l'économie congolaise, pour augmenter la résilience aux chocs externes, et nous avons des discussions très productives. Son Excellence le Président a été vraiment ouvert et très franc au niveau de la discussion. Il a présenté les objectifs au niveau de maintenir, maintenir la stabilité macroéconomique, qui permet la mobilisation de recettes additionnelles, qui permet des investissements et d'adresser les besoins de développement de ces pays. Mercedes Vera Martin, chef de mission pour la RDC, a au terme de cette rencontre salué la collaboration qu'elle juge très importante entre la République démocratique du Congo et les fonds monétaires internationaux. Et puis cette ordonnance au numéro 22/207 du 1er novembre 2022 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Les présidents de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 61, 69, 79, 85, 144, 145 et 156, alinéa 2, vu la nécessité et l'urgence, le Conseil des ministres entendu ordonne. Article 1er est prorogé pour une période de 15 jours, prenant cours le 2 novembre 2022, l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le Premier ministre, le vice-premier ministre,
ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, les ministres d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 1er novembre 2022. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 1er novembre 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Nyembo Mbouizia, directeur du cabinet. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé par visioconférence à une réunion de membres du bureau de la conférence de l'Union africaine élargie à la République du Kenya et à l'Union du Comore sous la direction de Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine. Regardez. Industrialiser l'Afrique, un engagement renouvelé pour une industrialisation et une diversification économique inclusive et durable, tel est le thème du prochain sommet de l'Union africaine qui sera organisé à Niamey, au Niger. En marge de ces assises, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé ce mercredi 2 novembre depuis son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine à une réunion du bureau de la conférence de l'UIA par visioconférence. Réunion convoquée par le président en exercice de cette organisation continentale, Macky Sall, qui a invité le chef d'État et des gouvernements, membres du bureau de la conférence, réunion élargie à la République du Kenya et à l'Union des Comores. Cette rencontre intervient à quelques semaines de la tenue du sommet de l'UIA sur l'industrialisation et la diversification économique qui se tiendra du 20 au 25 novembre au Niger. Comme nous l'avions dit en titre, le gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Ndima, est allé au chevet des déplacés cantonnés à Kanyaruchinya suite à la guerre nous imposée par le M23 soutenue par le Rwanda. Le gouverneur militaire a salué la bravoure et le patriotisme exprimé par la population déplacée qui soutiennent le FARDC. De côté l'intoxication, pas des distractions devant l'ennemi, mais le combattre jusqu'au bout. Propos du lieutenant général Constant Ndima Kanga, ce mercredi 2 novembre 2022, devant des milliers de déplacés cantonnés à Kanyaruchinya, ayant fui leur milieu suite à la guerre nous imposée par le M23 et ses alliés. Le gouverneur militaire du Nord Kivu l'a dit lorsqu'il est allé remettre une aide d'urgence destinée aux enfants, constituée des boîtes de biscuits et du jus pour soulager tant soit peu la souffrance qu'endure cette population sinistrée. Le gouverneur a salué la bravoure, le patriotisme et le nationalisme exprimés par la population déplacée qui reste rangée derrière les FARDC. Au niveau provincial, nous avons fait le rapport à la hiérarchie et nous intervenons avec de l'eau. Ici, à Niragongo, nous n'avons pas assez d'eau et aussi de biscuits protéinés et de jus. Le message que je venais de lancer, c'est un message et responsabiliser la population. Devant un tel conflit, ils ont quitté leur maison, ils ont quitté leur terre, ils sont ici. Je crois arriver ici, nous ne devons pas nous attendre à des manifestations de rue. Constant Ndima a annoncé l'arrivée imminente du gouvernement central pour assister la population en détresse qui habite dans des huttes de fortune. Le nombre de déplacés est estimé actuellement à plus de 14 000 ménages et d'autres continuent d'affluer. Par rapport à l'agression toujours rwandaise, le conseiller Jacques Elakano est allé à Fizi Baraka dans le sud Kivu pour conscientiser la population de ce coin victime des affres de la guerre. Et à Baraka, les conseillers du chef de l'État, Jean-Jacques Elakano, accompagnés de Madame José Emina, tous deux conseillers du chef de l'État au Collège socio-culturel et religieux, a été accueilli par le maire adjoint de Baraka et les membres
Les jeunes du territoire de Fizi en particulier et de la province du Sud Kivu en général sont appelés à quitter les groupes armés et à s'enrôler massivement dans les forces armées de la République pour faire face à l'agression dont est victime les pays par les Rwandais à travers le M23 dans sa partie Est. Cet appel est du conseiller du chef de l'État au Collège socio-culturel et religieux, Jean-Jacques Elakano, lors de son adresse à la population de la ville de Baraka en province du Sud Kivu. Ces quatre élus DPS, accompagnés de sa collègue José Emina, a demandé à cette catégorie de la population de soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans ses actions en faveur des Congolais. Était en présence d'une délégation de la présidence de la République, conduite par les conseillers au collège socio-culturel et religieux, Jean-Jacques Elakano, accompagné de sa collègue conseillère José Emina. Ces deux personnalités ont été envoyées par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À cette occasion, le chef de l'État a offert un véhicule à cette église, mais aussi une enveloppe pour le fonctionnement et pour l'achat de carburant pour ces véhicules, en témoignent les représentants légaux adjoints Kialumba Lukaba. Tawaïseloa a remercié le chef de l'État à travers son délégué Jean-Jacques Elakano, accompagné de José Emina, pour la reconnaissance. Et le président de l'Assemblée provinciale du Congo central en séjour à Londres sollicite auprès du chef de l'État le retour de récidivistes des ex-FAS en RDC. Ceci pour apporter leur expertise à la guerre d'agression nous imposée par le M23 et ses alliés. Toto Célestine Sungu nous en parle. D'août, la République démocratique du Congo est en guerre face de l'agression rwandaise. Pendant ces moments difficiles, elle a besoin de toutes les forces aussi bien populaires que militaires. Parmi les bons combattants dont peut disposer la RDC, l'on compte les ex-FAS. Ces commandos qui ont fréquenté les meilleures écoles militaires dans le monde ont réalisé des prouesses durant la Deuxième République. Aujourd'hui, leur contribution dans la guerre d'agression que subit le pays est plus qu'imminente. Bon nombre d'entre eux manifestent le désir de réintégrer le rang des forces armées congolaises en vue d'apporter leur expérience dans la défense de la patrie. Le président de l'Assemblée provinciale du Congo central a fait un plaidoyer après une rencontre avec certains ex-FAS à Londres. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire appel à tous les ex-FAS que la nation zaïroise congolaise a perdue, a sorti de l'argent pour les former, parce que il est inadmissible un pays de 100 millions d'habitants qu'un peuple de 15 millions d'habitants peuvent nous faire autant souffrir avec 12 millions de morts. De cet état de fait, toute Congolaise, tout Congolais aujourd'hui doit se sentir militaire. Sauver la RDC, notre pays, c'est tout ce que peuvent faire le Congolais de partout où il se trouve. Pour la paix et le développement intégral de l'Ituri, le gouverneur militaire, le lieutenant Luboéa Kanchama, lance la conférence provinciale de la territoriale ce lundi 31 octobre 2022 à Bounia. Durant trois jours, les participants de l'Ituri vont échanger sur des questions pratiques et concrètes, dont la gestion locale, pour aboutir à des recommandations pour la bonne gouvernance. Reportage. J'ai voulu cette conférence qu'elle soit une opportunité d'aborder de manière pratique toutes les questions liées à la gouvernance locale. C'est un grand jour pour la province de l'Ituri. Après plusieurs années, le gouverneur militaire lance la conférence provinciale de la territoriale, une deuxième depuis les démembrements de la Grande Orientale. Venus de tous les coins de l'Ituri, des gestionnaires des entités territoriales décentralisées vont examiner le problème lié à la gouvernance locale sur le plan administratif, sécuritaire, budgétaire et développement socio-économique en vue d'harmoniser leurs points de vue sur les matières relevant de leurs attributions. Un rendez-vous qui vaut son pesant d'or témoigne de chef de chefferie. Cette conférence va nous aider. Si nous n'harmonisons pas, nous n'allons pas développer notre province. Mais grâce à cette conférence, nous allons parler de nos problèmes et trouver des solutions. Occasion pour les gouverneurs militaires, le lieutenant général Luboéa Kanchama Johnny, de rendre un vibrant hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui mène une lutte sans merci pour la restauration de la paix et le fonctionnement harmonieux des entités de base en province de l'Ituri. Comme vous le savez,
Son Excellence, Monsieur le Président de la République, tient à une bonne administration territoriale et à un développement à la base. Il faut le dire, cette conférence provinciale de la territoriale tombe à point nommé pendant que le programme de développement local des 145 territoires vient d'être lancé en province de l'Ituri, où plusieurs avancées sécuritaires sous état de siège commencent à porter leurs fruits au bénéfice de la population itourienne. La communauté internationale commémore le 10e anniversaire de la Journée internationale de l'impunité pour le crime commis aux journalistes. Une conférence des échanges, des interactions a été organisée à l'issue de cette journée. La sécurité et la protection des défenseurs de droits de l'homme doivent être démises. Anastasie Doumbou pour le reportage. Au regard de la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la RDC, certains professionnels de médias et des défenseurs des droits de l'homme ont perdu leur vie. C'est le cas du journaliste Maïeche. En tant que défenseurs de la liberté d'expression, ils ont droit à la sécurité et à la protection dans l'exercice de leur métier, a souligné Mme Laurette Moussanga. La conférence organisée à cette journée internationale a permis des partages d'informations et des interactions entre journalistes et défenseurs des droits de l'homme. Une solution adéquate doit être trouvée pour mettre un terme à l'impunité des journalistes et des défenseurs dans des zones de conflit, a martelé le coordonnateur du groupe de travail, Maître Juscelin Bahiroué. Cette conférence de presse qui soutient le processus de la loi portant protection des défenseurs des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Je voulais rappeler que ce texte attend d'être aligné au niveau de l'Assemblée nationale en plénière pour être débattu et envoyé en commission pour enrichissement. Les défenseurs des droits de l'homme l'attendent davantage et demandent à nos honorables députés de bien vouloir les voter. En vue d'obtenir un cadre légal de protection des journalistes et défenseurs des droits de l'homme, un texte a été déposé à l'Assemblée nationale pour initier une proposition de loi. Les professionnels de médias sont invités à s'approprier ce texte et à mener un lobbying auprès des députés nationaux. Et puis à la Commission électorale nationale indépendante, les questeurs adjoints a, au nom du président Denis Kadima Kazadi, réceptionné un lot important de cartes d'électeurs accompagnées des films de plastification. Ceci dans le cadre de la formation du personnel opérationnel d'identification et d'enrôlement des électeurs dont le début est prévu en décembre 2022. Au total, 1 688 000 cartes électeurs destinées à la formation du personnel opérationnel commis à l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs ont été réceptionnées par le questeur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, Mme Sylvie Birimbano, ce lundi 31 décembre 2022 à l'aéroport international de Ndjili. Celles-ci sont accompagnées des films de plastification et seront utilisés durant cette formation. Nous sommes venus par rapport à cette opération de la révision du fichier électoral, comme nous avons dit autrefois, que la CENI a entamé sa phase de la révision du fichier électoral. Et dans sa grande opération identification et enrôlement des électeurs, nous sommes ici pour réceptionner un lot important de matériel pouvant nous servir à cette opération. Ces cartes arrivent au moment où la CENI a clôturé le processus de recrutement du personnel qui pourra procéder à l'opération de la révision du fichier électoral. Cette opération s'est déroulée dans plusieurs coins du pays, notamment à Kasangoulou de la province du Congo central, où elle a été supervisée par le secrétaire exécutif national de la centrale électorale, Toto Mabik Totokan. À Kamonia, au Kasai, Nyangara, dans la province du Haut-Uele, Ikela, dans la Tchouapa et enfin à Bifalé, de la province de l'Équateur. Le ProADER signe un contrat avec deux prestataires pour la production et la transformation du manioc en farine panifiable. Le ministre d'État, ministre du Développement Rural, François Roubota, a présidé la cérémonie aux côtés de Philippe Ngwala Makemba, le conseiller spécial du chef de l'État et coordonnateur de la CUPIDCE. Avec l'appui de la cellule présidentielle, le ministère du Développement Rural vient de signer deux contrats avec deux firmes congolaises spécialisées dans la production et la transformation du manioc en farine panifiable. Il s'agit de l'Ayuka pour le Congo central et Ecosac pour la province du Kwango. La signature de ce contrat est l'aboutissement d'un travail technique
entre la cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire, CAPUDC en sigle, que dirige Philippe Nguala Malimba, conseiller spécial du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et les ministères du développement rural, de l'industrie, de l'agriculture et des affaires sociales. Cette signature porte sur la mise en valeur de 2000 hectares de champs de manioc sur les 10 000 hectares prévus. Il est à noter que les appels d'offres seront lancés au courant de la semaine prochaine pour les 8 000 hectares restants. Il s'agit d'une étape importante de l'initiative du président de la République en faveur de la valorisation des produits locaux et leur substitution à l'importation. Nous sommes venus superviser la signature des deux contrats qui sont dans la filière manioc. Le projet s'étend aussi également au niveau de l'espace Kassai. Le président de la République, chef de l'État, a initié un projet de structuration et de modélisation de la filière du manioc. C'est 40 millions de dollars qui ont été mobilisés, et donc qui vont être répartis dans différentes provinces pour ce qui concerne la production de la farine du manioc panifiable. La République démocratique du Congo connaîtra désormais une intense production de la farine panifiable de manioc de très haute qualité qui sera substituée au blé. Ceci permettra d'assurer la sécurité alimentaire, d'injecter des devises à l'économie locale, de créer des milliers d'emplois, surtout pour les jeunes. La formation des ingénieurs administrateurs réseau des différents services de la RDC ont fini leur formation sur la gestion de DNS douane name system. Ils ont bénéficié de brevets auprès de ISPA RDC. Christine Lenzo pour plus de détails. Les ingénieurs administrateurs réseau des différentes entreprises de la RDC ont suivi cette formation très technique sur la gestion des DNS, Domain Name System et son impact sur la vitesse d'accès aux applications Internet. 4 jours de travail et d'échange à travers cette formation organisée par ISPA DRC avec l'appui des Afrinic, laquelle formation a rendu les récipiendaires capables d'implémenter de façon efficiente les DNS dans les réseaux de fourniture d'accès Internet et de distribution de contenus Internet, comme le précise Jean-Claude Moudilou, vice-président de ISPA DRC. La vitesse de l'Internet, il y a plusieurs piliers, parce que l'Internet c'est un écosystème qui dépend de ça, avec l'avènement de différents points d'échange implémentés au pays. Il y a une certaine amélioration en termes de vitesse d'Internet. Occasion aussi pour les coordonnateurs de l'Agence du développement numérique, service spécialisé au sein de la présidence de la République, de féliciter les organisateurs avant de préciser que son service voudrait faire du numérique un levier de développement socio-économique pour tous les Congolais, tel que voulu par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Notez qu'avant cette formation sanctionnée par la remise des brevets aux participants, la première étape consistait à sensibiliser les décideurs impliqués dans le développement de l'industrie Internet en RDC. Occasion aussi pour ISPA DRC de remercier ses deux autres partenaires en plus des Afrinic, à savoir PCH et ISOC. L'autonomisation de la femme, l'un des credos de l'ASBEL, femme leader, vision politique, qui a procédé à la formation de 37 femmes en coupé-couture, un échantillon représentatif qui va s'étendre dans d'autres provinces. Cédric Kenina nous en parle. Femme leader, vision politique s'implique dans l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Concept clé dans la politique générale de la ministre du genre, enfants et famille, Gisèle Ndaya, visionnaire de l'ASBEL FLVP. C'est dans ces contextes même que la ville de Mbujimayi a accueilli le 22 mars dernier la première phase de la formation en coupé-couture à l'intention des 37 femmes et qui a été sanctionnée par la remise de brevets aux récipiendaires. La clôture de la session de formation des candidates ici présentes, je leur présente mes félicitations les plus chaleureuses et exhorte à rester nos ambassadeurs partout où elles iront. Par ailleurs, le ministère du genre a étendu ses actions à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, où la conseillère en charge de la protection de l'enfant et la secrétaire particulière ont, au nom de la ministre Gisèle Ndaya, procédé à la remise des kits scolaires aux orphelins hébergés dans la maison de la femme. L'autre fois, la ministre elle-même, la patronne du genre, était passée pour voir comment est-ce que la maison de la femme est entretenue et comment est-ce qu'on prend en charge les enfants, mais c'est posé un très sérieux problème de,
de la rentrée scolaire, la prise en charge scolaire. C'est alors qu'elle avait promis d'envoyer une délégation pour les fournitures scolaires. Nous sommes arrivés hier, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui en compagnie de la chef de division. Parlons santé à présent. L'espérance de vie en Afrique, un compte lié à la qualité de soins de santé. La Fondation Nadia Maboko propose une prise en charge sanitaire à moindre coût à ses membres. Richard Kalala, Fifi Bokeme nous en disent plus. C'est une image à petite échelle de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la couverture santé universelle. Soulager les difficultés de la prise en charge sanitaire en réduisant son impact sur l'économie domestique, la fondation Dr Nadia Matoka Fonam en fait son cheval de bataille. Elle propose à ses membres de soins de santé de qualité à moindre coût dans les meilleurs hôpitaux de la capitale. Message lancé au cours de l'activité marquant sa sortie officielle. En dehors de la prise en charge sanitaire, la FONAM organise également des formations axées sur l'entrepreneuriat, l'emploi de jeunes et l'assainissement de l'environnement. Alumni chapter de l'Université catholique de Louvain a organisé à Kinshasa un panel autour de stratégie d'entreprendre dans un environnement en mutation, une boussole utile ou inutile pour l'entrepreneuriat congolais et la loi sur la sous-traitance. Ce thème ont été abordés par le vice-recteur de l'Université catholique de Louvain et le recteur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance. C'était devant les anciens étudiants de l'USC. C'est Louvain, jeune entrepreneur et les diplomates belges en poste en République démocratique du Congo. Quelle vision des anciens étudiants de Louvain sur l'entrepreneuriat s'enracine au fil des jours en République démocratique du Congo grâce à une journée scientifique qui s'est tenue le 31 octobre dernier à Kinshasa. Au cours de ces panels, les vice-recteurs de l'Université catholique de Louvain estiment qu'il faut développer des stratégies qui constituent une boussole pour l'entrepreneuriat congolais. Et effectivement, c'est un enjeu important parce que ça peut contribuer au développement du pays, à créer de l'emploi, à créer de la dynamique économique ici dans le pays. Vous avez une jeunesse qui a beaucoup d'idées, qui a beaucoup de potentiel, qui a beaucoup de dynamisme, eh bien il faut essayer de leur donner le goût d'entreprendre. À l'université, il faut offrir des pédagogies innovantes pour donner l'envie d'entreprendre à cette jeunesse. En effet, la loi sur la sous-traitance demeure la clé de voûte de la promotion de l'entrepreneuriat. J'encourage la jeunesse, moi, les entrepreneurs congolais en général, à saisir les opportunités qui sont offertes par la loi sur la sous-traitance. Pour l'organisateur, il est... Ouverture ouverte hier mardi des états généraux à l'université de Kinshasa en présence de la DIRCAP du chef de l'État Nicole Boatia et plusieurs invités. Objectifs, travailler pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire en RDC. Lancement des états généraux de l'Université de Kinshasa. Du 1er au 4 novembre 2022, les intelligences des scientifiques seront en exercice pour réfléchir sur les questions qui concernent la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire. Plusieurs personnalités du monde scientifique et autres invités venus de différentes institutions universitaires du pays n'ont pas manqué cet événement. L'hôte du jour, le professeur Jean-Marie Kayembentumba, recteur de l'UNIKIN, a brossé dans son mot de bienvenue l'état des lieux de cet alma mater hier et aujourd'hui. Occasion pour lui d'émettre son vœu et désir ardent de voir ses assises produire des recommandations fermes pour que cette université demeure la référence de la fille aînée des universités en RDC avec comme credo l'UNIKIN solution. C'est l'occasion pour nous d'inviter toute la communauté à l'adhésion massive à la co-gestion de la cité afin que l'université de Kinshasa retrouve son élan d'antan. Nous devons nous connaître, qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui, d'où nous venons, qu'est-ce que nous avons comme potentialité, surtout qu'est-ce que nous voulons devenir demain. Nous devons toujours planifier la suite. Donc, axe par axe, vous avez entendu, il y a 10 axes qui parlent de la gouvernance, qui parlent de la recherche, qui parlent de la communication,
qui parle de l'extension géographique de notre université, il y en a une dizaine, ça va faire des travaux de commission pour très clairement échanger entre experts, tout celui étudiant, administratif, ouvrier, technicien, c'est ouvert à tous, c'est l'occasion de se parler très très sincèrement et de faire les choses en face. À l'ouverture, la présidence de la République a été valablement représentée par la présence du directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, le professeur Nicole Boitcha. L'actualité, c'est également cette journée porte ouverte organisée par l'ISTEM Kisangani. Les travaux ont bel et bien démarré ce mercredi à Kinshasa, au centre CEPAS, dans la commune de la Gombe. Regardez. La première journée portes ouvertes organisée par l'ISTEM Kisangani ici à Kinshasa a bel et bien démarré ce mercredi 2 novembre 2022. En présence du représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire en la personne du conseiller Kabaou Kakatina Aubin, une forte délégation est venue de Kisangani avec à sa tête le DG, le professeur Désiré Issecha Tawiti. Imprégnation du programme d'amélioration des enseignements des techniques médicales de l'ISTEM. Kisangani, c'est dans les objectifs prioritaires du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mouindo Nzangi, exécutant le programme du Premier ministre, Michel Samalukonde, qui traduit en acte et matérialise la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Le monde de la santé s'accommode beaucoup plus de l'action concrète que du discours. Une occasion pour le DG de l'ISTEM Kisangani, le professeur Issecha Tawiti, d'expliciter à ses hôtes l'évolution de l'ISTEM Kisangani, l'état des lieux à l'arrivée de l'actuel comité de gestion, les réalisations de l'actuel comité de gestion, suivi de la présentation de la maquette de construction de cet institut d'enseignement supérieur. À l'ISTEM Kisangani, l'apprentissage est plus théorique que pratique. Et ça signifie, à l'ISTEM Kisangani, on n'a pas une salle de simulation. Nous pensons que ce message de détresse interpelle les ressortissants de la Grande Orientale. Le député national Eric Ngalula a participé au forum Makutano en Mbujimayi et il a mis à profit ce temps pour visiter ses électeurs à Lupatapata. C'était également le moment pour lui d'exprimer son soutien en phare d'essai. Regardez. Profitant de son séjour en Mbujimayi où il a été prendre part au forum Makutano 8 et après avoir visité différents chantiers en pleine exécution dans le cadre du projet de développement des 145 territoires à Lupatapata, son fief électoral, le député national Eric Ngalula Ilunga a aussi visité les populations des villages Kankelenga, Chilunde, Kabanga, Chimeta et Chuntumwanza confrontés à plusieurs maux. Au terme de tous ses contacts avec sa base, le député national Eric Ngalula a tenu à apporter son soutien aux forces armées de la RDC engagées dans cette guerre d'agression, nous imposée injustement par les Rwandais avec le soutien des multinationales. Nous devons soutenir le gouvernement, soutenir nos forces armées, mettre du sérieux, enlever l'infiltration. Nous devons mettre des moyens, pas simplement mettre des moyens, former nos hommes et nos femmes, les soutenir, l'armée et la police, pour sécuriser cette frontière de l'Est. Parce que vous ne pouvez pas avoir dans une maison des richesses et ne pas avoir des gardes, des sentinelles pour la garder. L'élu de Lupatapata a appelé la population congolaise à l'unité afin de faire échec à tout projet de balkanisation de la RDC. Soutien phare d'essai en cette période que la République démocratique du Congo subit l'agression rwandaise. L'Église de Jésus-Christ en Saint-Esprit, Nouvelle Alliance, n'est pas en reste. Une prière organisée pour rendre grâce à Dieu. Enfin, les membres et fidèles de la communauté religieuse Église de Jésus-Christ en Esprit Saint, Nouvelle Alliance, peuvent pousser un ouf de soulagement car leurs prières ont été entendues et exaucées. Ils détiennent désormais tous les documents légaux
pouvant autoriser officiellement le fonctionnement de leur église et le déroulement des différentes activités sur l'étendue du territoire national. Au cours de ce culte dominical aux allures particulières, l'apôtre Omer Bolia Benoît a exhorté l'ensemble des fidèles sur la marche constante et la communion avec le Saint-Esprit. Il a également insisté sur la préservation de la doctrine. Ce culte était également le moment propice pour les différents fidèles de se réjouir et de saluer la personnalité juridique qui leur permettra d'opérer en toute quiétude sur l'étendue du territoire national. C'était également d'autres temps forts sont à signaler toujours au cours de ce culte dominical, notamment la Sainte Cène et la bénédiction des enfants. En outre, l'apôtre Omer Bolia a remercié tous les membres et fidèles de sa communauté religieuse à travers le monde pour leur contribution à la construction de l'édifice. Car à environ près de 7 ans déjà, les œuvres sont palpables. Avec cette personnalité juridique, c'est aussi une manière de respecter l'autorité de l'État en se conformant aux textes légaux. À Dieu, ce qui est à Dieu, à César, ce qui est à César, a-t-il conclu. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi de partout à travers le monde sur la radio-télévision nationale congolaise 20h. Anita Luambwa sera de vôtre pour la suite de l'actualité. Excellente suite de programme à toutes et à tous. Au revoir.